Bonjour, quel est l'état d'esprit là, à deux jours du grand début du championnat? C'est de l'appréhension, de l'excitation, un peu tout ça, c'est quoi? D'excitation. Non, c'est clair, c'est intéressant de pouvoir commencer, même si ça tombe tôt. On a quand même fait 4 semaines de préparation intensive avec 2 stages et 5 matchs amicaux. Donc c'est bien. Donc on a fait 3 matchs nuls, une défaite, une victoire. Même si les résultats étaient en second rang. Donc c'était plus important de pouvoir se préparer comme il faut. C'est vrai qu'on n'a pas encore tout l'effectif à disposition. Rabé suspendu. Et puis après il y a 2-3 joueurs qui ne sont pas de la partie. Donc il faut faire avec. On a quand même 2 nouveaux recrues, Marchand et puis Bouniaco. Donc ça c'est déjà bien qu'on aille quand même ces 2 joueurs-là pour justement avoir 18 joueurs sur la feuille de match. Il y a d'autres petites choses comme Adri, mon frère qui sa femme a couché mardi, donc il n'était pas présent toute la semaine dans l'entraînement, il était à Monaco, donc il revient seulement pour ce soir. Donc c'est pas idéal pour une préparation de match. Il y a Ondan où sa femme aussi elle devrait accoucher, on ne sait pas quel jour, aujourd'hui, demain, après-demain, donc c'est difficile aussi de se préparer pour un match de championnat. J'espère qu'il aura quand même la tête au match, qui est important quand même. Et j'espère que sa femme va coucher après ce match-là, parce que sinon on perd un joueur de plus. Ouais. Donc intéressant de pouvoir commencer, mais voilà, c'est pas seulement nous qu'on a des problèmes de ce côté-là. Je pense que toutes les autres équipes qui ont le même problème, un petit peu différent, mais quand même un même problème qu'ils n'ont pas tous les effectifs à disposition. Donc, En plus, on a quand même à disputer 3 matchs à la maison, qui ne sont pas à la maison, c'est un gagnant, et 3 matchs à l'extérieur sur ces 6 matchs, donc ça fait beaucoup, donc c'est pas idéal du tout. Et voilà, il faut encore là faire avec, essayer de faire le mieux possible, travailler comme on est en train de travailler, et puis accepter la situation qu'elle est, sans trouver d'excuses pour justement ces premiers matchs de championnat qui nous emmènent jusqu'à fin août. Donc, juillet, août, voilà, un petit peu travailler dans ce sens-là. Et puis, on espère quand même de faire un optimum de points. Qui sont plus précisément les joueurs qui seront absents? C'est les blessés de la préparation? Ça, je ne vais pas le dire parce que sinon ils le savent. D'accord. Mais peu de chances de récupérer les blessés de la préparation, j'imagine. Charles Piquel qui a quasiment pas joué, Chilanani qui n'a pas du tout joué. Ça, c'est des joueurs sur lesquels tu ne peux pas forcément compter dans un premier temps, même s'ils sont un peu de retour de blessure. Ouais, bon, il y a un ami qui est de nouveau parmi nous, donc il s'est entraîné régulièrement cette semaine. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Maintenant. Ouais, c'est comme ça, donc je ne vais pas trop donner des noms parce que les autres, ils voient pour finir aussi, à la fin, ils font la composition tranquillement, donc leur laisser un petit peu dans le doute aussi. Est-ce que pour le reste, vous considérez que l'équipe est prête aujourd'hui quand même à attaquer ce championnat de Ligue 2 ? Prêt pour ce qu'on a fait, je m'imagine quand même que physiquement, on peut s'améliorer encore. Tactique, techniquement aussi. Donc, on a quand même pas mal de travail dans ce plan-là. C'est normal. Après 4 semaines, on ne peut pas dire que l'équipe elle est prête tactiquement, physiquement, etc. Donc, Il faut bien gérer les forces, il faut bien travailler sur les changements, où on a la possibilité de changer 5. Donc il faut essayer d'exploiter au maximum cette possibilité-là, et puis pas trouver après plusieurs d'autres qui se blessent dans cette phase-là.
Donc ça, c'est important de travailler aussi sur les changements à pouvoir effectuer. Selon les matchs à domicile ou à l'extérieur, parfois on n'aborde pas la rencontre de la même manière. Là, vous avez joué effectivement pas ici au Stade des Alpes, vous avez joué avec Lyon. Est-ce que ça change la manière d'aborder votre match un petit peu quand même, de pas jouer dans un stade où les joueurs en plus ont leur repère Oui, à part ça que justement on est chez nous, à la maison, le stade et tout, ça permet aussi d'avoir un petit peu plus de public. Et en plus de ça, on a quand même un voyage à faire de 3 heures. À 3 heures, on doit aller à l'hôtel. La situation de l'hôtel au stade, c'est 30 minutes. Donc, c'est l'organisation qui change énormément. Donc, on se trouve de faire des matchs à l'extérieur où la fédération n'a pas tenu compte. Je pense qu'on a demandé une chose, de ne pas devoir débuter à la maison. Même ça, ils ont pas tenu compte. Donc, ils ont tout de suite mis un match comme contre le Paris à la maison, à domicile, au lieu de le faire jouer à l'extérieur, pour justement avoir la possibilité de jouer contre Paris à la fin du championnat à la maison, où on aurait eu peut-être du public. Donc, je trouve que c'est dommage de ne pas tenir compte de ce facteur-là. Ils auraient certainement pu nous aider parce que c'est quand même des recettes aussi, en plus. Au-delà de pouvoir jouer à la maison, mais c'est des recettes pour Grenoble important. Et est-ce qu'avec tous ces éléments, quelques blessés, effectifs pas au complet, jouer un peu à l'extérieur, vous attendez à des débuts, un début de championnat peut-être un peu compliqué quand même ? Ça peut être compliqué, mais il faut pas, encore une fois, il faut accepter les données, penser positif, et puis se dire, on jouera avec, et puis on essayera de faire le mieux possible, rentrer dans ce championnat le plus positivement possible, et puis avoir confiance dans nos moyens, et accepter encore une fois les données qu'ils nous ont données. Est-ce qu'il y a quand même des choses rassurantes pendant cette préparation, la solidité défensive, la première demeure contre Saint-Etienne, voilà, sur lesquelles s'appuyer avant ce championnat? Oui, il y a plusieurs choses positives. C'est vrai que l'équipe, elle a pas, dans le sens pas trop changé défensivement. Ça veut dire la défense en soi, elle est restée telle qu'elle était. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, c'est vrai que des Bene, des Simani ou des Djaté, donc Willy, JT, nous ont quittés. C'était des joueurs très importants pour cette équipe. Et actuellement, devant, certainement, on ne les a pas encore. On n'a pas trouvé encore des solutions à cette défaillance. Mais voilà, il faut quand même attaquer le championnat le plus positivement possible. Qu'est-ce que vous savez, vous, aujourd'hui, du Paris FC? C'était un match de barrage il y a au mois de mai dernier, que Grenoble a remporté, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... C'est un entraîneur qui est nouveau, ouais. Donc c'est un entraîneur d'expérience, un très bon entraîneur qui sait ce qu'il veut, donc ça certainement change un petit peu les données. L'effectif, je l'ai vu, ce que j'ai pu voir, ils ont quand même une très bonne équipe, techniquement très, très forte, devant des joueurs de percussion, ils ont quand même, je sais qu'il leur manqueront aussi des joueurs importants, surtout en défense, mais ils ont quand même un milieu de terrain très, très solide, très physique, beaucoup de courses, donc il faudra tenir compte de ça et puis essayer de justement éviter des dribbles inutiles dans nos zones 1 et 2. Justement de jouer le ballon
plus rapidement, en deux touches maximum, pour pas se confronter justement dans les duels, dans une zone où ça n'a pas de sens. Donc j'espère qu'on trouvera des dribbles, des 1-2, etc. dans la, notre zone offensive, dans la zone 3, où on doit aller provoquer des coups francs, des corners, des tirs au but, des centres. C'est là que je demande d'être percutant et de chercher le 1 contre 1, parce que justement là on est en infériorité numérique et là il faut essayer de trouver des solutions à ce sujet-là. Donc la zone 2, pour moi normalement c'est avoir plus de jouerie, de jouer le ballon plus rapidement et pas aller dans les duels inutiles. Qu'on doit aller récupérer la balle, c'est autre chose. Là, je demande qu'on soit solide, qu'on aille dans les duels, dans le contact, et puis on se fasse respecter aussi physiquement. Un petit mot sur Marchand et Bouniakou, on dit d'ailleurs la prononciation du deuxième Suisse qui est arrivé. Bouniakou, c'est certainement un joueur qui, sur plan physique, je pense qu'il peut dire la sienne. Donc, il est assez robuste. Maintenant, techniquement, c'est clair que il est bien aussi. C'est quelqu'un qui vient quand même d'une école de balle qui est quand même importante comme académie. Mais c'est clair qu'il faut aussi que se plonger dans ce championnat de Ligue 2. C'est important qu'ils apprennent vite à jouer avec des facteurs importants, que ce soit le physique et que l'aspect technique. Mais je pense quand même que voilà, ils ont quand même joué en Super League en Suisse, où je pense que la Super League est quand même supérieure encore de la Ligue 2. Même si peut avoir des nuances, mais quand même, c'est quand même un championnat très important quand même en Super League. Donc ils ont fait leur marque dans ce championnat-là déjà. Mais il faut se plonger vraiment dans ce championnat de Ligue 2 qui n'est pas facile du tout, où il y a la qualité technique ajoutée à l'aspect physique. Donc il faut être robuste et puis il faut savoir jouer avec ces facteurs-là. Mais c'est des garçons qui ont envie, qui se réjouissent de commencer aussi ce championnat et qui ont envie de très bien faire ici à Grenoble. Ça c'est quelque chose d'important et ils sont bien intégrés dans le groupe aussi, qui les a accueillis à merveille. Donc ça aide aussi pour justement se pouvoir concentrer dans le championnat en soi. Sur un plan personnel, vous, comment vous vous sentez dans le club, dans la ville? Est-ce que l'intégration se déroule bien? Non, bien. Disons que, bon, c'est vrai que maintenant, ça fait justement presque 4 semaines, ça fait un mois que je suis là. À part faire deux fois, une petite promenade dans la rue piétonne, j'ai pas pu voir encore grand chose de Grenoble parce que j'étais toujours entre l'hôtel et puis le stade ou les stages, parce qu'on a quand même fait deux stages. Je trouve que c'était bien d'avoir deux stages parce que ça permet quand même de connaître mieux le contingent, le staff et tout. Donc c'était parfait. Donc l'intégration s'est faite très rapidement. Connaître les gens par nom et toutes ces choses-là, c'est assez fondamental aussi, le travail quotidien. Et puis petit à petit, voilà, le championnat qui a commencé, petit à petit, on essaiera de s'intégrer encore mieux, surtout dans la vie quotidienne, puis surtout dans la ville. C'est clair, j'espère de pouvoir... pas trouvé, parce que je pense que j'ai trouvé un appartement, de pouvoir prendre justement l'appartement le plus rapidement possible. J'espère ici la fin du mois ou au début du mois prochain, je pense que ça devrait se faire. Alors là, après, c'est vrai que je suis encore plus près du stade, et donc les trajets sont encore plus rapides. Et voilà, l'intégration se fera aussi mieux encore. Ce qui est la vie privée, quoi.